Pas encore prêt. Thank you.
êtes revenus. Les vieilles ruines sont sûres. Votre village n'est plus en danger. Vraiment? Ah! Par la lumière, les cieux vous envoient! Oh, je suis désolée, nous... Nous n'avons pas d'argent à vous offrir. Mais nous avons du ragoût chaud, de la bonne compagnie. Restez pour une pinte! Histoire de faire passer le goût du ragoût. Nous feriez-vous l'honneur de vous joindre à nous? À notre sauveuse! Le sang de la mer et le corps de la mer, vous serez témoins de sa gloire avant de mourir. C'est pas encore prêt. Ils arrivent! Tout le satané village! Debout! Debout! Il faut se frayer un chemin vers la sortie! Là! Attrapez-les! Que la lumière nous préserve! Des âmes perdues! Tous et toutes! Voilà, désormais bien. Comme nous. Il n'y en a plus d'autres. Par la volonté de la lumière.
L'énergumène. Ces hérétiques m'ont drogué à mon retour des ruines. Tout comme vous. J'ai repris mes esprits et me suis enfui. J'ai essayé d'entrer dans la chapelle, mais elle était verrouillée et... Qu'est-ce donc ce maléfice? Des pétales de sang? Et... ils ont dû me les faire ingurgiter. C'est un rituel blasphématoire. Qui le leur a enseigné? La réponse se trouve peut-être dans la chapelle. Ils la verrouillent pour une bonne raison. La femme qui les menait possède sans doute la clé. Je ne ferai pas ça en ville. Seules les flammes pourront purifier ce lieu des ténèbres. Est-ce que je rêve? Honte à vous! Notre père vous a ouvert la voie du salut! Et vous, votre seul but est de vous en écarter! Vous buvez et jouez! Vous convoitez et volez! Honte à vous! Il s'en est pour pécher. Mes enfants, les seigneurs des enfers arrivent pour dévorer notre monde. Votre salut ne réside pas dans la lumière, mais en vous. La foi vous a appris à renier ce que votre cœur désire et vous a rendu prisonnier de vous-même. Brisez vos chaînes et découvrez votre véritable destinée. Brisez vos chaînes et fleurissez dans le péché. Mettre au monde votre enfant. Ah !
éveillée, mère. Ce n'est que le début. Va dans les steppes arides et continue les préparatifs. Maintenant, notre véritable mission commence. Vous avez repris vos esprits grâce à la lumière. Vous vous êtes évanoui à l'intérieur. J'ai cru que l'obscurité vous avait englouti. Je vous ai tiré de là avant de mettre le feu à ce lieu maudit. Que vous est-il arrivé là-bas? J'ai eu une vision. Une démone cornue. Elle disait que les seigneurs des enfers arrivaient. Elle voulait aider les gens à survivre. Les aider? Elle les a appelés ses enfants. Et ils l'ont accueillie comme une mère. Mère? Non. C'est impossible. Je dois en informer la cathédrale. Écoutez, un ermite vit à l'est d'ici. Sa loyauté est discutable, mais il connaît des choses interdites. Il pourrait nous être utile. Amenez-le à la cathédrale de Kyovashad, et vous gagnerez la faveur de la lumière. C'est impossible ici. Je ne peux pas faire ça ici.
Je ne suis pas encore prêt. Il me faut plus de temps. La route est bloquée. Nous devrions pouvoir passer une fois la tempête calme. Je ne suis pas encore prêt. Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce que vous cachez ?
Ses crocs sont courts. L'individu est jeune. Transformation récente. Une proie facile. Plus au sud que les autres. Ils se répandent. Introduire chez moi et fouiller dans mes affaires. Ayez au moins la politesse de rester pour le repas. J'ai une faim de loup. C'est une sacrée histoire. J'aurais préféré qu'elle soit fausse. Croyez-moi. Pourquoi ai-je eu cette vision ? Remerciez ces gentils villageois. Ce sont eux qui vous ont donné le sang de Lilith. Le sang d'une démone ? Pas n'importe quelle démone. La fille de la haine. La mère de Sanctuaire. Elle a été bannie il y a longtemps. Mais c'est elle qui a créé ce monde. Il était écrit qu'elle reviendrait. Et quel est son but ? Très bonne question. Sanctuaire a toujours été coincé au milieu de l'éternel conflit. Une guerre entre les anges et les démons. Mais Lilith n'appartient à aucun camp. Elle a d'autres projets pour nous. Et moi ? Je suis... corrompu. Je n'en suis pas encore sûr, mais vous êtes clairement lié à elle. Que comptez-vous faire ? M'en servir. Découvrir ce qu'elle cherche. Bien. Dans ce cas, nous ferons équipe. Allez, reposez-vous. Ensuite, nous irons à Kyovashan. Si nous n'arrêtons pas Lilith, tout sera perdu. Il faut attendre. Des déchus, si près de la ville. Le mal de Lilith se répand. Let's go.
Je ne suis pas encore prêt.
Mes sacs sont pleins. Mes sacs sont pleins. Longinarius, vous avez sûrement entendu la cathédrale de la Lumière vous rebattre les oreilles au sujet de leur père sacré.
Eh bien, il est réel. Un véritable ange est parmi nous. Et quand il apprendra que Lilith est ici, le sang coulera. Ce sont de vieux ennemis. Et ils vont entraîner le monde entier dans leur querelle, à moins que nous y mettions un terme. Ne nous attardons pas. Kyovashad se trouve droit devant. Halte là. Pour entrer dans la ville, vous devez d'abord... Nous n'avons pas le temps. Pour entrer dans Kyovashad, vous devez réaliser un rituel purificateur. Un geste futile s'il en est, mais il en rassure certains. Comment osez-vous ? Laissez-le passer, mon garçon. Il est impossible de convaincre Lorat d'accomplir le rituel. Bien. Mais lui, là, il reste ici. On se retrouve à l'intérieur. Prenez un morceau de Saint-Cèdre du Sanctuaire et inscrivez dessus le péché qui vous trouble. Ensuite, lancez-le dans le brasero. Comme le feu qui consume le bois, la lumière consumera votre péché. Je ne ferai pas ça en ville. La peur. Très bien. Je suis sûr que vous devez vous sentir soulagé d'un énorme poids. Bienvenue à Kyovashad. Belle affaire. Un échange équitable. Vous avez autre chose ? Les meilleures armures des piques. Belle affaire.
Honorez le père. Bon vent et bonne fortune. Je ne peux pas faire ça ici.